il est sorti de ses 10 000. Donc, tous ceux qui devaient boire l'eau à le lapin, comme le chien, ceux-là devaient être mis à part. Et ceux qui allaient se mettre à genoux pour pouvoir boire l'eau, ceux-là aussi devaient être mis à part. Et parmi ceux qui ont été choisis, c'est ceux qui ont lapé l'eau, hein, comme le chien, qui était au nombre de 300 qui ont été retenus. Et même parmi les 300, il va aller combattre ce peuple, cette coalition de peuples. Ces 300 là n'ont pas combattu, c'est le Seigneur même qui a dû combattre pour eux. Parce qu'ils avaient tous les trompettes à leurs mains, ils ont dû former trois clans, et c'est le Seigneur qui, au son de la trompette, a fait que les ennemis eux-mêmes s'entretuent entre eux-mêmes. Donc on dit simplement que pour le Seigneur, c'est pas le grand homme qui porte. Donc par rapport au thème que nous sommes en train de vivre, par exemple, le réveil et la venue, la promesse du Saint-Esprit qui vient, le Seigneur n'a pas besoin d'un grand nombre pour avancer avec. Donc de 32 000 à 300, j'ai eu à faire un petit ratio. En faisant 300 divisé par 32 000, ça fait 0,009%. C'est qui, comment est-ce que le Seigneur fait ces choses? Il dit, ses voix ne sont pas nos voix et ses pensées ne sont pas nos pensées. On pourrait se poser la question, mais 300, c'est petit. Mais c'est ça aussi, le Seigneur. Donc, ce qu'on peut retirer de ce partage de Jus 7, nous voulons retenir simplement que, véritablement, c'est le Seigneur qui fait toutes choses. Et le Seigneur n'a pas besoin du grand homme. Il a besoin besoin du grand monde. Son église n'a choisi pas, hein, dans le grand nombre, mais il choisit ceux vraiment qui lui sont destinés. Donc, à travers ce livre de Juges chapitre 7, le Seigneur nous enseigne simplement que nous devons lui faire confiance. Donc, on a vu que de 32 000 personnes, le Seigneur se choisit 300 personnes pour un combat. Et même ce combat, ce n'est pas ces 300 qui le mènent. C'est le Seigneur qui les conduit. C'est le Seigneur même qui combat pour eux. Voilà. Donc, nous devons, pendant ce temps merveilleux que nous avons là, nous devons faire confiance au Seigneur pour qu'il nous conduise, hein, jusqu'à l'accomplissement total de ce qu'il a promis pour nous. Amen. Il sait encore pouvoir.
C'est non ce que tu as dit, mon frère, c'est exactement ça. C'est ce que j'étais en train de dire également. Oui, vas-y. Il y a plus grand chose à dire. Allô, pardon, mon frère. Oui, vas-y. Non, je disais que ce que tu as dit, c'est la même chose. Donc, lorsque le combat, comme tu l'as dit, le Seigneur, quand on voit la finalité, la victoire qui a été remportée, on voit finalement que les 300 personnes n'ont pas pu faire du combat, ils n'ont pas combattu. Donc, c'est le Seigneur même qui a combattu. Pour eux, il a sauvé beaucoup de troubles. Dans le camp des ennemis, des Madianites, ils ont commencé par s'entretuer et finalement, il ne restait que quelques poignées et puis on les a poursuivis. Et donc le combat, la victoire a été remportée et c'est le Seigneur. Simplement parce qu'il y a eu des instructions fermes qui ont été données et les 300 personnes ont écouté ces instructions. Amen, et amen. Ils les ont écoutés, ils les ont suivis et le Seigneur a remporté la victoire. Amen. Donc, amen. Et puis tu parlais tout à l'heure de l'eau là, le fait qu'il soit allé dans l'eau symbolise quoi ici? L'eau, la dernière fois. L'eau symbolise la parole. Amen. L'eau symbolise la parole. L'eau symbolise effectivement la parole. Je crois que la dernière fois, le dimanche passé, on avait partagé là-dessus. Et le Seigneur nous a encore éclairé par les interventions des frères et des sœurs. L'eau symbolise la parole. Et le fait que les personnes, ces personnes prenaient de l'eau avec dans les deux mains pour les mettre dans la bouche, cela est un signe de respect et à la soumission, à la manière dont on est soumis, on accepte cette parole de manière délicate et bien soumise pour que cette parole ne se perde pas. Parce que quand tu prends quelque chose avec une seule main, d'abord, c'est comme dans nos coutumes. Oui, dans nos coutumes africaines, quand un supérieur te donne quelque chose, tu prends avec une seule main. C'est un truc, c'est un symbole d'impolitesse ou bien de rébellion. Mais lorsque tu les prends avec les deux mains, c'est un grand symbole de soumission et de respect à la chose, du cadeau qu'on te donne. Amen. Donc, ces personnes, cette catégorie de personnes, la façon dont ils ont pris cette eau pour boire est un respect qu'ils ont par rapport à la parole et à la considération que le Seigneur, à la considération de la parole que le Seigneur leur donnait. Amen. Voilà, donc ils prenaient cette eau avec respect pour la boire afin de marcher fidèlement. Selon la parole et les instructions qu'il recevait du Seigneur. Amen. Donc nous pouvons dire simplement que la parole, c'est le symbole de l'eau, c'est le symbole de la parole. Amen. Dans ce cas. Merci mon frère. Merci. Amen mon frère. Amen. Bon, après, moi j'avais voulu qu'on parcourt tous les psaumes que le frère a donné là, c'est possible. Allô? 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 Oui, allô, on est là. Allô. Bon, comme ça, on va les parcourir rapidement, un peu. Que je suis un peu.
on va commencer par le psaume. Si vous avez relevé, on va commencer par. On a déjà parlé de Jude 7. Et Jude 7, voilà, psaume 7, verset 2. Après, quelqu'un prépare psaume 88, verset 3. Psaume 7, verset 2, je peux le lire. Psaume 7, verset 2, je peux le lire. Oui, vas-y, hein. Oui, vas-y. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Je cherche et en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs. Et délivre-moi. Ça s'est entrecoupé. Bon, frère, comme ta connexion n'est pas bonne, hein? Donc, je vais lire. Psaume 7, verset 2. Je vais lire. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi. Psaume 88, verset 3. Que ma prière parvienne en ta présence. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Que ma prière parvienne en ta présence. Prête l'oreille à mes supplications. Psaume 100, verset 2. Je vais lire. Éternel, écoute ma prière. Et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Je reprends. Psaume 100, verset 2. Je reprends. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Voilà. Psaume 101, verset 7. Je lis. Celui qui se livre à la faute. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. Amen. Amen. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce passage-là. Psaume 102, 101, verset 7. Frère Jacques, frère Aristide, j'aimerais que vous interveniez, vous interveniez un peu sur ce psaume-là. Psaume 101, verset 7. Frère Jacques, frère Aristide, c'est un psaume qui nous interpelle tous. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ça. Allô? Oui. Frère Jacques, frère Aristide, j'aimerais qu'on revienne sur ça. Oui, moi je vous ai dit. On est celui qui se livre à la faute.
Le couple Espérance, bonsoir. Bonsoir, mon précieux frère. Bonsoir, mon frère Gilles. Ça va? Oui, la gare du Seigneur, ça va, ça va. Ouais. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gassé, Assetou Haider, bonsoir. Tu es le véritable. Au-dessus de toi. C'est désagréable. C'est désagréable. Je ne sais pas si tu es en train de marcher. Il faut chercher un coin où le réseau est bon et puis tu t'installes confortablement. Ne bouge pas. Le frère Noël Aristide, bonsoir. Ton micro est fermé. Oui, bonsoir, frère Junior, shalom, shalom à toi. Comment tu vas? La famille va bien? Oui, tout le monde se supporte. Donc, d'après ce que nous avons suivi dans le précédent point, tu es un témoignage vivant de la grâce de Dieu. Tu serais sorti dans... Tu serais sorti dans les grands journaux de l'Abidjan qu'un jeune garçon est mort noyé dans le grand bassin. Ah, vraiment. Alors que ce sont les mamies Ouattara qui ont avalé ton cerveau, quoi. Mais d'abord, j'ai fait un témoignage. J'ai vécu des expériences vraiment. Ah, donc tu as des choses comme ça, et tu as des choses que tu caches alors? Non, c'est pas ça. Bon, ça veut dire que chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Voilà, le frère Jacques Bissan et madame, bonsoir. La connexion du... Voilà, c'est la dame qui a pris la parole. Elle, je suis sûr que comme votre caméra n'est pas ouverte, elle est contente maintenant parce qu'elle a entendu ma voix maintenant. Elle est contente, elle est trop même. Elle est contente, ça fait longtemps. Dis-nous alors. Allô, bonsoir, bonsoir frère. Bonsoir ma soeur, ça va? Ça va bien. Mais tu es dans le groupe de la France, quoi, les femmes dans la sainteté? Oui. Ok, ok. Donc, en tout cas, rendez-vous lundi. Du coup, d'ici là, ça sera 3 jours de jeûne. Et ça va calmer beaucoup de femmes. Et je crois que certaines, on aura beaucoup de questions à travailler, n'est-ce pas? Effectivement. Amen, amen. Amen. Donc, amen. Prends courage, prends courage. Le frère Jacques Bissan, bonsoir. Bonsoir frère Junior, bonsoir. En appelant juste ton nom, je suis en train de regarder une maman, une vieille dame qui a des points, des choses tracées sur le corps avec les... C'est comme le vous appelez la chaux, cette peinture qu'on met sur le mur là, ou bien une pâte blanche. On a tracé sur le visage, tracé sur le corps, et puis avec des bouts de peinture sur le corps, dansant. Je ne sais pas pourquoi, chaque fois quand je vais parler, maintenant je vais parler de toi, c'est la même chose revient. Comment tu vas mon cher? Je vais bien, frère. Je vais très bien. Par la grâce du Seigneur. Si ma mémoire est bonne, c'est pas la première fois qu'il te dit cette chose-ci. Non. Oui, c'est la deuxième fois, frère. C'est la deuxième fois. Qu'est-ce que ceci a à voir avec toi, au juste? Pourquoi? Je ne sais pas, frère. Je ne sais pas. Je suis en train de réfléchir, mais je n'ai pas encore eu. Ma mémoire ne revient pas encore. Cette personne, si j'espère que je ne sais pas s'il y avait, si nous étions avec en face, il t'aurait donné la description claire, description de regarder. Mais quoi que, il ne sait pas si en expliquant, en parlant tel que je suis en train de parler là, tu parviens à percevoir. La personne est à demi ouvert, il y a le pain attaché, c'est blanc. Et on a écrit les choses sur le corps, comme dans les films nigériens là. Donc on a mis les choses sur le corps en blanc. Et des courriers, on a de danser des choses là, c'est pas. Le combien? Comment mon cher? Le combien, c'est comme ça que j'ai appelé. Ok, le combien? Je ne sais pas. Il y a avant-hier, mon épouse était en train de me raconter une histoire. Bon, je ne sais pas, dans leur famille, il y a une femme comme ça, je ne sais pas à qui on a fait ce genre de cérémonie. Non, ceci n'est pas. Je ne sais pas si. Non, ceci n'est pas lié avec ton épouse, parce que c'était toi dont il est question. C'est une maman qui c'est une maman qui a avancé en âge. Donc, elle est canalisée par l'esprit
par des anciens, ces choses bizarres là, et on la consulte. On la consulte. Ça, c'est longtemps cela. Cette personne, si on venait la consulter, donner des guérisons, même des plantes, conseiller des plantes aux gens. Je n'ai pas eu connaissance de cette personne, frère. La personne va avec faire des rituels en bordure des mers, conseille des gens, même amène des gens à côté des cours d'eau pour les laver. C'est une vieille, c'est. Elle avance en âge maintenant. Mais ce que je lui dis, ce n'est pas une personne qui est d'actualité. C'est dans le passé là. Bon, cela voilà. C'est comme il y a entre temps. Je crois que la connexion du côté de Lomé au Togo n'est pas bonne. Le temps. Alors, à son état. Quoi, c'est la connexion, ça. Une cérémonie par rapport à l'eau, au niveau de l'eau, de la mer, sous forme de Mamiwata, comme ça. C'est une histoire comme ça qu'on m'avait raconté. Attends, mon frère, le frère Jacques, on n'a pas suivi dès le départ. Ta connexion buguait un peu. Donc, dis-nous, depuis le début, tu disais quoi? J'avais appris, ça fait longtemps que ma grand-mère, ma maman, la maman à ma maman, donc elle avait un problème, il y avait un problème comme ça, mais elle traitait avec les esprits de l'eau. Bon, on l'avait fait des cérémonies par rapport à la mer, comme ça, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Bon, ça, c'est une histoire qu'on m'a racontée, ça fait longtemps. Actuellement, elle est décédée. Mais ma maman, elle est vivante. Oui, mais dans ce cas, il faut te rapprocher parce que si ces choses-ci reviennent, ça suppose que cette trace-ci, ça joue avec toi. Approche-toi avec ta maman, tu dis, elle te donne la description. Comme ça, la prochaine séance, quand nous allons nous rencontrer, d'accord, nous allons nous rencontrer, quand tu vas nous en donner les détails, d'accord, mon cher frère. Amen, frère. Tu vois, quand je parle, c'est une chose, une fois, deux fois, il amène un peu de détails seulement pour amener des éclaircissements. Jusqu'à ce que tu y vas. Tu vois que toi et moi, on ne s'est pas encore vu physiquement, n'est-ce pas? Oui, frère, oui, frère. Comme tu as refusé de venir me rendre visite au Cameroun. S'il le plaît à Dieu, je vais arriver, frère. Tu as dit que tu ne viendras pas chez moi, d'accord? C'est ça, non? Je vais venir. Je vais venir, frère. Okay. On viendra ensemble. Mm-hmm. Donc, voilà, oui, mais naturellement, d'accord? Donc cet esprit-ci qu'on a amené en bordure de mer en faisant ces choses-ci comme ça, ces rituels, ça dérange. Je dis ici parce que au fur et à mesure qu'on va avancer, ceci va déranger ta vie spirituelle. D'accord? Et ça va arriver. Amen. Au niveau où en dormant, tu vas voir d'autres femmes dans les songes, d'autres femmes en dehors de ta femme. C'est pas bon. Tu m'as suivi, frère? De temps en temps, ça m'arrive. De temps en temps, ça m'arrive, frère. D'autres femmes, n'est-ce pas? Dans le songe en dehors de ta femme, viennent te voir. Tu comprends ce que Dieu vient te voir, non? Oui. Oui, 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 frère. Mm-hmm. C'est ça dont il est question. Et puis, je me retrouve, c'est vrai, frère. C'est, c'est exactement ça. Mm. Je me retrouve à plusieurs reprises, de temps en temps aussi, au village. Bon, j'arrive pas à comprendre. Exactement. Et parfois, c'est récurrent. Mm-hmm. C'est le problème avec ceci, c'est que le but de ça, c'est... Toi, tu te trouves en ville maintenant. Tu es dans la recherche du bien-être pour pouvoir encadrer ta famille. Le but de ces esprits, c'est que si tu ne les sais pas, ils vont te faire rentrer au village pour devenir comme un clochard, un villageois. Voilà pourquoi la révélation est donnée pour pouvoir en découdre avec ceci. D'accord, donc il faut la confession. Mais Dieu merci, nous tombons dans le cadre de jeûne et de prière. Et je profite de l'occasion pour dire donc à tous ceux qui nous écoutent que ce moment de jeûne de ce 2019, c'est un moment glorieux, un moment magnifique pour l'Église où le Seigneur va déverser non seulement la puissance des visitations, beaucoup de personnes vont obtenir, pendant qu'on est en train de faire des dons spirituels, pendant qu'on a déjeuné, des choses de visitation. Puissions-nous être seulement sérieux. Beaucoup de choses vont commencer à arriver. Les gens vont avoir des visitations de la part du Seigneur. D'autres qui avaient des portes qui étaient ouvertes, quoi, fermées depuis, seront ouvertes, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu va visiter son peuple. Il est temps maintenant que le Seigneur vienne dans le peuple de son pâturage pour les visiter. Donc je crois que ça tombe bien, mon cher frère Jacques. C'est le moment par excellence de soumettre ces choses-ci au Seigneur afin que ton emprise soit brisée. D'accord?
d'accord. Amen, frère. Amen, frère. J'espère, merci. J'espère que vous m'entendez très bien. J'espère que vous m'entendez très bien. Amen, mon frère. Amen, amen, frère. Vous me voyez aussi? Non, 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 on ne voit pas. Vous êtes sûr que vous ne me voyez pas? Je suis content d'avoir des frères et sœurs comme vous dans le monde entier qui suivent le Seigneur Jésus. Comme ça, ça amen. Si je quitte ce monde, si je n'aurai pas une regrette, enfin, de toute façon, même si vous me rejetiez comme Jérémie, ça n'aurait changé point de ma situation devant le Seigneur. Mais je vous aime et sachant que j'aurai accompli ma course sur la terre, au moins, si les gens m'insultent dans le monde entier, je sais que j'entrerai avec vous. Et qu'on se présentera, amen, là-bas, amen. Qu'on se présentera là-bas. Ce qui fait ma joie, c'est cette chose que je vois en train d'arriver sur l'église. On va visiter, Dieu va visiter son peuple. C'est merveilleux. Les moments glorieux attendent l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors. Frère Junior, oui. Il n'y a pas un songe là. Oui. Où j'étais avec toi, tu me demandais après mon papa. Après ton. Je cherchais à voir mon papa forcé, quoi. Oui. Mon papa. Oui. J'ai demandé à voir mon papa. Oui. Attends, je prends mes notes là. Oui, la soeur, c'est que je t'écoute. Il y a quelqu'un qui a demandé à voir mon père. D'abord, j'étais d'abord avec mon père. J'étais en train de lui parler de la Bible. Et puis, il m'a dit que non, lui va aller s'asseoir. Ou lui va s'asseoir d'habitude là, lui va aller s'asseoir là-bas. Donc, moi, je l'ai laissé partir. Dès qu'il est parti, moi, je me suis retourné net. J'étais là. Mais j'étais avec des gens. Mais là, tu m'as demandé où se trouve mon père. Il dit, ah, il était avec moi tout à l'heure là. Mais il m'a dit que d'habitude, lui, il va s'asseoir là. Il va aller s'asseoir là-bas. Donc, toi, tu as cherché à. Il n'y a point de Dieu
comme Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. Thank you.
Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Adorons les rois, adorons les rois, amen, 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 amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Mokope ako kaminayo, mokope ako kaminayo, mokope ako kaminayo, Yahweh, mokope ako kaminayo, mokope. Mokote ako kaninayo. 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 Bonsoir, frère. Bonsoir, mon frère. Bon retour à toi. Bonsoir, frère. Voilà, vous voyez, bon frère. Vous voyez que c'est pas évident avec tout cela, n'est-ce pas? C'est pas évident avec tout cela. Voilà, le frère. Allez, pardon. Voilà, le frère. Aristide, fermez ton micro. Aristide, fermez ton micro. Ça, c'est tout particulièrement, c'est désagréable chez toi. Je crois que avec le fait le micro de ce Aceto qui n'est pas bon là, elle est en train de m'expliquer l'histoire de son de rêve avec son parent là. On va revenir la prochaine fois avec cela. Le frère Paul Espérant peut ouvrir son micro parce que son est bon. Je veux qu'on partage quelque chose d'important maintenant. Les erreurs à ne pas commettre pendant le jeûne. Pendant, après, avant le jeûne. D'accord? Vous m'entendez, n'est-ce pas, frère? Amen, amen, amen. Amen, amen. Vous voyez à quelle heure nous retrouvons? 23h et 15 minutes ici à Douala, au Cameroun. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Prenons ça rapidement avant que la connexion les dérange là, parce que comme nous allons entrer dans le jeûne à partir de dans quelques minutes, dans quelques heures là, c'est mieux que nous considérons ces choses-ci maintenant. Ouvrons le livre d'Isaïe chapitre 58. Isaïe chapitre 58. Vous y êtes, mes frères?
Le verset 1, suivez attentivement. Le verset 1 dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ici, c'est Dieu qui s'adresse au prophète. Et la mission du prophète, c'est de crier haut et fort. Et il dit, il ne faut pas s'arrêter de crier. Et le cri, là, c'est qu'il est censé crier. Et cette voix-là, c'est une trompette. Et la trompette est faite pour attirer l'attention, pour appeler les gens au rassemblement, ainsi de suite. Il dit, annonce à mon peuple, regardez bien le mot, à mon peuple ses iniquités. Le peuple de Dieu est chargé d'iniquité. Et ici, Dieu suscite ses serviteurs pour pouvoir annoncer à son peuple ses iniquités. C'est quand même curieux de savoir, de voir la façon nonchalante que nous, les chrétiens, nous marchons aujourd'hui. Et les gens, avec les télévisions à la hollywoodienne, essaient de s'habiller dimanche, filmer, mettre les bleus, blancs, rouges, avec tous les fleurs artificielles, d'autres encore de fruits, et pour essayer de voir que tout va bien, parce qu'en fait, on s'est habillé dimanche pour aller. Si c'est vraiment ces habillements-là et cette gloire de l'homme qui nous donne de comprendre que tout va bien avec le Seigneur, c'est qu'on est les plus malheureux de la terre, puisque les mondains, dans les clips mondains, on voit mieux que cela, dans les concerts mondains, on voit mieux que cela. Donc, ce n'est pas sur cela que nous devons nous baser. Nous devons nous baser en nous jugeant sur les fruits dont le Seigneur a demandé que nous devions porter. Nous devons nous baser sur les œuvres qu'il a demandé que nous devons accomplir par le Saint-Esprit. Si tel n'est pas le cas, nous sommes malheureux. Et donc, pour cela, il faut que nous crions à l'aide. Et donc, dans ces cris, donc, lors de ces cris, nous passons très souvent par les jeûnes et les prières. Et comme nous avons été instruits de commencer ces jeûnes, pendant ce moment de 2019, et ça va aller crescendo comme ça, parce que la puissance de Dieu va commencer sur la terre crescendo. Le mois arrive, je suis content, je parle en souriant parce que je suis en train de regarder ce qui est en train d'arriver. C'est merveilleux ce que le Seigneur va faire au milieu de ses enfants. Et donc préparons-nous, donc préparons ces vases donc, à recevoir ces choses précieuses. Maintenant, ici dans Esaïe 58, verset 1, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Remarquez bien que le peuple de Dieu a des iniquités et donc Dieu amène la voix pour crier contre ces iniquités-là. Quel est le but? Le but, c'est de faire que l'iniquité soit expiée devant le Seigneur afin qu'il restaure son peuple dans le corps tel qu'il a voulu. Souvenez-vous de 2 Corinthiens, enfin 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Sur mon peuple, une fois de plus. Mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Vous souvenez de ces passages-là. Mais dans la Bible, déclare ici, le volet suivant dit, à la maison de Jacob, c'est péché. Maintenant, écoutez bien, verset 2. Tous les jours, il me cherche. Soulignez dans vos Bibles. Il me cherche. Donc, enfin, vous remarquez qu'en réalité, que vous le voulez ou pas, si vous êtes croyant de la Bible de la bonne façon, vous allez remarquer que vous priez Dieu chaque fois. Et en priant Dieu chaque fois, d'une façon ou d'une autre, vous êtes en train de le chercher. Vous pouvez le chercher dans une situation de blocage, chercher dans une situation d'enfantement, dans une situation d'espérance, de quelque bonheur que ce soit. Mais de toute façon, son peuple le cherche parce que c'est lui ce qu'on invoque. Quand vous êtes en désarroi, vous êtes dans des situations de blocage, c'est lui que vous invoquez. Donc, vous cherchez sa face vis-à-vis ou même par rapport à une situation bien déterminée. Et donc, Dieu dit ici à son peuple que tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies. N'est-ce pas véritablement ce que le peuple de Dieu devrait faire ces temps-ci? 1. Chercher la face de Dieu. 2. Connaître ses voies. Connaître la volonté de Dieu. Comment Dieu veut qu'on marche. Mais maintenant, dans ce passage d'Ésaïe au chapitre 58, intitulé dans les Bibles, le jeûne tel que Dieu veut ou mieux encore, le jeûne qui plaît à Dieu, ou bien d'autres encore, le vrai jeûne. Dieu montre sa volonté parfaite et en révélant ici le caractère du jeûne dont il veut, il dit d'abord que ces choses, la réforme, il n'y a pas de jeûne, ni de compréhension de sa voix, ni la recherche de sa face, sans avoir et compris d'abord la nécessité de la réforme de ses voies par rapport à l'iniquité. Parce qu'en réalité, la Bible nous enseigne que la crainte de l'Éternel est le commencement, le début, le commencement de la sagesse. Donc la sagesse voudrait qu'on marche d'abord dans la crainte de Dieu. Il faut d'abord le craindre. Et la Bible définit la crainte de Dieu comme étant s'éloigner du mal, de l'iniquité. Et donc le prophète ici est censé crier les iniquités du peuple pour dire ôtez premièrement les iniquités parce que c'est ça qui crée les embûches. Pas étonnant donc qu'après le chapitre 58, directement au chapitre 59, il amplifie dans ce domaine-là en disant que la main de l'Éternel n'est pas courte ni ses oreilles à Dieu pour entendre, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui nous cachent sa face. Vous voyez? Donc, l'iniquité, les iniquités, le péché, c'est la première des choses. Ce sont les premières choses donc, que nous devons prendre en considération avant d'avancer dans le jeûne. Et donc, ces choses-là sont, de façon graphique,
dessinée ici afin qu'on puisse peindre le tableau, chacun puisse peindre le tableau de son cœur et en sortir avec la caricature de sa propre vie intérieure, extérieure et spirituelle. Cette caricature telle que donnée, le portrait de chaque personne individu donné ici dans le livre d'Ésaïe chapitre 58, nous montre Dieu pointant le doigt sur nos iniquités, sur nos styles de vie qui ne lui sont pas agréables, pour dénoncer nos œuvres, pas pour nous attirer dans le mauvais côté, pas nous humilier dans le sens de nous de tirer gloire de cela, mais pour nous réformer afin que nous marchions dans la sainteté. Souvenez-vous, la route nouvelle qui a été tracée par notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce livre, même livre d'Ésaïe, chapitre 35, le verset 8, la Bible nous déclare que cette route-là, c'est la route appelée route sainte, dont même les impurs ne pourront pas y marcher, les bêtes sauvages ne pourront pas s'y retrouver dans ce sentier-là. Donc, ça veut dire que les démons ne peuvent pas se retrouver dans le sentier de la sainteté. Or, nous travaillons dans ce monde-ci, perpétré et entouré par les œuvres des ténèbres. Et par conséquent, il faut se débarrasser pour être englobé et entouré par la lumière afin de marcher dans le chemin de la sainteté. Débarrassé de toutes les œuvres des ténèbres, dépouillé de tous les liens de l'iniquité. Les iniquités dont sont montrées ici du doigt, pointées du doigt par le Saint-Esprit, comme les premiers obstacles aux jeûnes. Ça veut dire en clair, ou mieux encore en langage simple, que n'allons pas dans le jeûne avec les iniquités. Si on y va dans le jeûne avec les iniquités, dans ce sens-là, nous faisons la grève de la faim. Ça servira tout simplement à détruire les graisses de nos corps, à sortir des toxines de nos systèmes, mais ça ne fera absolument rien dans le cadre spirituel, du moins du côté de Dieu, puisque lui, on ne peut pas le tromper. Amen. Amen. Dans le verset 2, on dit, « Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. » Donc, la première chose que nous voyons ici, c'est que Dieu met le doigt sur la pratique de la justice. Quelqu'un qui lit ce passage, il devrait regarder, souligner « pratique de la justice ». La Bible déclare que Christ est notre justice. Nous devons vivre justement. Alors, quand le Saint-Esprit dit ici que comme une nation qui aurait pratiqué la justice, de façon individuelle, nous sommes en train de jeûner. Alors, on se pose donc la question, ou mieux encore, chacun devrait se poser la question en écrivant sur son cahier ou bien à côté de sa Bible, en marge, en posant la question de la pratique de la justice. Dans le cadre pratique de cette pratique-là, comment la justice se pratique? Que veut dire pratiquer la justice? Sinon, si ces choses ne sont pas posées, si ces questions ne sont pas posées, on sera en train de tourner en rond. Et j'étais en train de lire un article tout à l'heure là. Je ne sais pas si je peux le retrouver, je ne sais pas où ça se trouve. Vous voyez, permettez-moi de retrouver cela. Côte d'Ivoire de la sainteté, vous y êtes. Amen. Que notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Qu'il se souvienne de chacun de nous, chacun de vous. Que cette pluie qui va commencer à tomber doucement, doucement, ne vous laisse pas indifférent. Amen. Et qu'il, en tout cas, vous allez voir. Je parle chaque fois qu'il touche à cette chose-là, ça me permet de rire. Dans un site internet appelé, je crois, c'est AfriqueMark. AfriqueMark, c'est AfriqueMark, AfriqueMark.com. J'étais en train de parcourir pour regarder ces choses-ci. Vous remarquez, je parle ici, j'y glisse tout simplement. Avant de revenir, tout simplement parce qu'à cause de la chose, comme j'étais en train de parler, et puis ça m'est revenu. Si vous ouvrez le site AfriqueMark, je dis AfriqueMark, je crois que c'est mieux que je mette ça dans le site, justement comme ça, chacun de vous pourrait ouvrir. Vous pourrez ouvrir cela là-bas pour voir effectivement que je ne suis pas en train de raconter des balivernes. Voilà cela. Donc pendant que je suis en train de lire sur ce site-là, vous pouvez également lire de la même façon chez vous. Puisque si la connexion n'est pas déjà bonne, si pas la connexion, certains d'entre vous ne pourrez pas l'ouvrir et la voir. Donc si vous pouvez ouvrir chez vous, vous l'ouvrez. Pendant, je n'ai pas encore ouvert chez moi. Donc Dieu nous montre ici les iniquités. Et vous remarquez effectivement que si on prie sans réforme de voie, c'est la conséquence de ce qui est arrivé sur cet article. C'est le point sur lequel je voulais souligner. Le temps pour moi, voilà, c'est ouvert chez moi. Alors ici, c'est un Nigérian qui rit pour servir Satan. C'est quand même terrible. Ce garçon, vous avez ouvert chez vous déjà? Non, pas encore. On n'a pas encore eu le lien. On n'avait pas. Je vous ai envoyé cela dans votre site, dans le blog. Vous pouvez ouvrir cela pendant que je suis en ligne, que vous y voyez. Parce que si je partage la connexion, ça va prendre beaucoup de l'espace là et puis ça va commencer à chuter la connexion. Essayez de cliquer. Si vous avez cliqué, je ne sais pas si le frère Aristide, le frère Jacques, vous avez cliqué chez vous également pour qu'on soit en phase.
C'est que ce jeune garçon se trouve sur le compte, dans le compte Twitter sous le pseudonyme Philips Noni. Philips Noni est dans cette, vous voyez sa photo là justement. Et, si vous me permettez, je lis, je ne sais pas si vous avez déjà ouvert. Pas mal. Vous avez également des problèmes de connexion là-bas. Donc nous allons voir durant ce moment, ces quelques minutes ici, afin que je vous laisse pour la méditation, parce que moi-même je vais entrer dans la prière maintenant. Les différentes erreurs pendant le jeûne, Oui, c'est ouvert, mon frère. Voilà, c'est ouvert. Vous le voyez, n'est-ce pas? Mon frère, comme ta connexion, bon, essaie de lire, voir, lis. Un jeune gérant simplement identifié comme étant Philippe Noni s'est adressé à ses followers via les médias sociaux pour annoncer qu'il a finalement décidé de quitter Dieu au profit de Satan. Le jeune homme a déploré le fait qu'il n'y ait jamais rien réalisé de concret depuis qu'il croit en Dieu. Il a ensuite demandé à ses amis des réseaux sociaux de cesser de vénérer quelque chose qui n'existe pas. Philippe Noni, dans le long post qu'il a par la suite supprimé, a écrit « Je vis pour Satan. Dieu est une arnaque. Je n'ai jamais rien réalisé de concret depuis que je connais Dieu. Dieu est faux. Il est partial. Il n'existe pas. Arrêtez d'adorer quelque chose qui n'existe pas. Venez à Lucifer, Satan, et ayez la joie éternelle. » Voilà. Dans justement, il y a tout juste après cela, nous voyons son post qu'il a fait. C'était exactement à 11h08, à 23h, le mardi 23h. Et ce journal que nous publions, que nous lisons sur le site africmag.com, est publié le 24 décembre 2018, donc c'est de l'actualité. Donc nous voyons effectivement sur son compte Twitter, vous voyez son nom, Philips Noni. Il dit: I am living for Satan. God is a scam. I've never achieved anything tangible since I know him. God is fake. He is partial. He does not exist. Stop worshiping something that does not exist. Come to Lucifer, Satan, and have eternal joy. Fin de citation. Voilà. Mais revenons donc à nos moutons. Donc, vous voyez, cette personne ici dans son post dit qu'il a décidé de choisir Lucifer. Et sur le plan de l'égalité, au moins Satan et Dieu sont égaux sur le point où on ne les voit pas. Donc ce sont les esprits. Lui, il dit que Dieu n'existe pas. Et il appelle les gens à servir Satan. Il dit Dieu n'existe pas parce qu'il n'a pas entendu parler des. Il ne voit pas Dieu, il ne voit pas les effets des dieux. Et Satan également, il ne voit pas. Il veut amener les gens à servir plutôt Satan. Or, si quelqu'un dit que Satan existe et que Dieu n'existe pas, c'est un nonchalant. Parce que Satan ne peut pas exister sans Dieu, puisque Satan lui-même connaît Dieu. Donc, c'est un non-sens de dire que Satan existe, Dieu n'existe pas. C'est déjà un non-sens. Et là-bas, il dit dans son post que depuis qu'il le connaît, comment pouvez-vous connaître quelqu'un qui n'existe pas? Vous voyez? Et il dit qu'il n'a rien reçu de lui. Dieu est partial. Il est partial. Donc, ça veut dire qu'il est déjà, avant d'être au moins partial. C'est quand même terrible, parce que c'est une contradiction. Donc, toutes ces choses, c'est pour dire quoi? Je vais revenir dans ce post, c'est pour parler effectivement de ce qu'il arrive aux gens. C'est déjà des personnes qui vendent leur âme au diable parce que maintenant il a trouvé dans le succès. Je crois que ce jeune garçon, s'il a cliqué, il a feuilleté. Oh mon Dieu! Ce jeune garçon, si je crois qu'il faut que j'essaie de le contacter. Ce jeune garçon, si c'est Nigérien, si quelqu'un lui a envoyé un message pour rejoindre les Illuminati et il a cliqué ce message-là, il a signé un contrat. C'est ça qui l'a amené à dire si. Vous voyez? Donc je crois qu'on va voir son cas après là. Alors, donc je t'en ai dit, c'est déjà des choses. Voici la conclusion. Comme ce garçon de Philippe Noni ici, c'est voici là où ça nous conduit dans les frustrations lorsqu'on ne sert pas le Seigneur, mais encore lorsqu'on n'entre pas dans le jeûne en étant dans la façon dont Dieu lui l'a signé. Voici, ce sont déjà des personnes qui aimeraient servir Dieu à leur manière, sans comprendre les exigences de ce même Dieu-là. Ils croient effectivement parce que justement au Nigeria et là-bas, Dieu est un Dieu bonbon, où on peut faire n'importe quoi, on fait n'importe quoi de son nom. Je me rappelle bien quand le Seigneur m'a appelé d'aller au Nigeria. Et par la suite, quand il m'a dit, je t'ai fait venir ici pour voir les abominations qui se fassent en mon nom. Donc, voyez, effectivement, on peut appeler son nom n'importe comment. Vous voyez, les gens qui vivent dans la fornication, les gens qui fument la cigarette, boivent l'alcool, mais vous entendez, brother, you have to be born again. Thank God. Vous voyez, dans les films nigériens, les gens exposent des seins dehors pour le cas des seins dehors exposés. On va venir dans le cas de la femme de la sainteté lundi. Plaise au Seigneur. Vous voyez, les gens vivent n'importe comment, s'habillent n'importe comment. On dit, non, Dieu est bon pour tout le monde. Et lorsque Dieu donc commence à serrer, à fermer le ciel au-dessus de nous avec de l'airain,
qu'on commence à avoir des difficultés, au lieu justement de se retourner de se vers ce Dieu là en cherchant, comme il a dit, arrive-t-il dans Lamentations chapitre 3, qui dirait que quelque chose arrive sur la terre sans que l'Éternel nous ordonne? N'est-ce pas de la volonté de Dieu qu'arrivent des maux et des biens, qu'au lieu que les êtres humains se plaignent sur la terre, il dit que chacun se plaigne de ses propres iniquités. Donc voilà ce que nous devrions faire. Quand nous prions, ça ne marche pas. Il faut qu'on sonde seulement nos voix, que chacun sonde sa voix pour savoir de quoi il est question. Amen. Mais voilà. Donc ici dans l'Ésaïe chapitre 58, le Seigneur nous dit, nous recommande ici que chacun prie, que dans la nation on invoque Dieu, on croit effectivement, on fait comme si on marche comme si on avait pratiqué la justice. J'ai tenté de le dire, donc il faut que chacun se pose la question, c'est quoi donc cette pratique de la justice dont la Bible parle ici. Il dit qu'il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Vous pouvez abandonner la loi de votre Dieu sans vous en rendre même compte. Tout en lisant la Bible, mais vous avez abandonné. Tout simplement parce que Dieu vous a donné une recommandation. Le Saint-Esprit vous a donné une instruction et vous avez négligé en disant que non, ça c'est une petite chose. Souvenez-vous, lorsque vous allez dans les Saintes Écritures, ce n'est pas vous qui jaugez ce qui est petit ou grand. C'est Dieu qui jauge ce qui est nécessaire pour vous. Et ce qui est nécessaire pour nous, quand il nous dit, il s'attend à l'obéissance. C'est donc pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ a dit que c'est celui qui est fidèle dans les moindres choses. Gardez-vous à l'esprit, c'est quoi les moindres choses pour Dieu? Celui à qui n'a pas été fidèle dans les moindres choses, qui lui confiera les grands? Si quand Dieu te donne d'abord une première instruction, par exemple, ferme les réseaux sociaux et cherche-moi dans la vérité, dans le calme. Tu dis, les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est un mal à cela? Les raisonnements commencent. Dans les réseaux sociaux, ça me sert à publier les messages internet. Donc, ça veut dire que tu veux faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Et ça me permet d'envoyer les versets du jour, de publier mon statut, je mets les versets pour que les gens lisent. Donc, ça veut dire que depuis que tu envoies les publications comme ça, les gens sont convertis. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si Dieu dit quelque chose, le Saint-Esprit dit quelque chose, tu désobéis. À cet instant, tu en es de te mettre en marche de ce même Saint-Esprit que tu vas aller invoquer plus tout à l'heure lorsqu'il y aura des difficultés. Et par conséquent, quand il y aura du mal, on va commencer à tourner en rond. On tourne en rond et au finish, on se finit comme ces garçons-ci. Lui, il est allé très loin. Il a choisi son camp. Il a tracé la ligne rouge à n'y plus franchir pour venir du camp de la lumière. Mais lui, ce n'est pas encore terminé avec lui et moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que il faut que, d'après ce que nous sommes de voir ici, puisque je suis en train de vouloir montrer les erreurs, les petites erreurs que nous commettons avant d'entrer dans le jeûne, c'est qu'il faut d'abord sonder l'état. C'est pour ça que toute cette nuit-ci, vous qui m'écoutez maintenant en direct, parce que ce sera différé plus tôt, quelle qu'en soit la personne qui m'écoute, que vous l'écoutez en direct, étant dans le jeûne, vous examinez toutes ces choses à la lumière de la parole de Dieu et au mieux de votre connaissance pour s'examiner, pour se sonder, pour savoir exactement de quoi il est question. Vous ne pouvez pas avancer dans le jeûne en gardant les gens sur le cœur qu'on ne peut pas pardonner. Ça ne marchera jamais. Vous ne pouvez pas, vous ne devrez pas. Gardez-vous à l'esprit que vous devrez pardonner, quel qu'en soit ce qu'on vous a fait. Et si on vous a fait du mal n'importe comment, vous pouvez me dire, frère Junior, si tu ne sais pas ce que c'est. Mais il en dépend maintenant de votre relation avec le Seigneur. Vous voulez aller loin avec le Seigneur, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc si tu ne pardonnes pas l'offense de quelqu'un, sache que tu pars dans le jeûne sans être pardonné de tes péchés. Or, Dieu dit ici que ce sont les péchés, les iniquités donc, qui bloquent et qui nous empêchent donc d'avancer avec lui. Continuons dans cette lecture dans l'Ésaïe chapitre 58. Dans le verset 2, il dit encore, tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Donc voilà, nous sommes sur la terre, son peuple. Il s'adresse à son peuple ici. Ce qui est curieux, c'est que c'est le message de la repentance en vue de la préparation pour rencontrer Dieu ici. Encore une fois, le peuple d'Ésaïe chapitre 58. Et Dieu donc veut montrer à son peuple la manière dont il devrait se préparer pour pouvoir le rencontrer. Et nous devrons encore d'abord rendre grâce à Dieu pour ces choses-ci qui nous montrent au moins les points qui ne vont pas avec lui. Parce que si Dieu se taisait, nous allons nous embrouiller sur la terre et au finish, chacun, comme le frère Jacques Bissard parlait là de l'incrédulité, encore que nous avons souligné dans l'enseignement, on va prier avec incrédulité puisqu'il n'y a rien qui nous certifie que Dieu va nous répondre. Mais au moins, quand Dieu nous dénonce nos péchés, dénonce les choses, nous montre les droites lignes, comme dans le psaume 25, l'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Donc, quand Dieu montre aux pécheurs la voie, c'est pour qu'on marche, on quitte la voie, donc on doit marcher pour marcher dans la vérité. Donc, il faut donc d'abord remercier le Seigneur qui dénonce nos œuvres. C'est une grâce même d'être à position de savoir que voici la faute que j'ai commise devant le Seigneur. Ça montre clairement qu'à 50%, c'est corrigé. En effet, c'est corrigé à 100% par le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est justement de reconnaître et se tourner vers lui pour demander pardon. Donc, dans ce livre d'Ésaïe, chapitre 58, verset 2, la Bible déclare « Tous les jours, il me cherche. Il veut connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. » Donc, j'étais en train de dire qu'on peut abandonner la loi de Dieu tout en étant dans la Bible. Les gens vont lire la Bible, disent « je ne suis pas d'accord dans tel endroit de la Bible ». Mais la personne qui l'a inspiré, c'est lui qui a inspiré l'autre partie que tu vas accepter. L'autre personne qui dit « non, non, Dieu lui ne voit pas, il ne regarde qu'au cœur. Il ne regarde pas l'extérieur, il regarde au cœur. » Et que dit maintenant lorsqu'il va commencer à dire que la femme vêtue d'une manière décente,
La descente là, c'est à l'intérieur qu'il est en train de parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il traite en même temps du cœur, en même temps de l'intérieur. Il s'occupe en même temps de l'esprit, en même temps de la chair. La Bible déclare que tout votre être, votre corps, âme et esprit soient gardés irrépréhensibles. Donc, de la même façon que ton esprit doit être irrépréhensible, de la même façon, ton corps doit être irrépréhensible. Il y a la sanctification de l'esprit, la sanctification du corps. Donc, vous voyez, effectivement, et le corps, il s'agit de la chair, donc l'extérieur. Et la sanctification de l'esprit, c'est l'intérieur, la purification, les mauvaises pensées, toutes ces choses dans l'âme. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas, vous ne pouvez pas vraiment prendre une partie, vous coller. Parce que la même personne qui traite de l'âme, traite sur l'esprit. Amen, amen, amen. Je suis content. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, il dit... Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Il me demande des arrêts de justice. Voilà si quelqu'un qui ne pratique pas la justice, mais il demande qu'on lui rende justice. Il dit, il désire l'approche de Dieu. Frère, dites-moi qui parmi nous ici ne désire pas l'approche de Dieu. Chacun de nous désire certainement de marcher avec Dieu pour que quand nous marchons, nous soyons sûrs que Dieu est avec nous, pas vrai? Amen. Puis Dieu dit maintenant, voici, vous jeûnez pour... disputer, entourer le verbe disputer. Ceci est très marquant dans le foyer entre l'homme et la femme. C'est l'un des phénomènes révélateurs ici. Chaque fois, vous allez remarquer que vous êtes des maris et femmes. Si vous voulez jeûner et que vous voyez effectivement que les querelles commencent subitement, sachez que vous êtes à la porte avec les démons. Les démons, ils sont là-bas pour vous faire entrer dans une atmosphère où ils vous visiteront durant le moment des jeûnes. Il faut que ces choses soient réglées. Il dit, vous jeûnez, voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller. Donc, d'après ce que nous venons de voir au verset 4, la partie A, les disputes et les querelles, si vous aviez cela avec vous et que vous en avez déjeuné, vous feriez mieux d'arrêter. Ça ne servira à rien de continuer. Donc les disputes et les querelles. Vous comprenez donc pourquoi, voici l'une des raisons pour lesquelles vous devez comprendre pourquoi les instructions sont données pour se retirer durant le moment des jeûnes. De telle façon que vous pouvez, et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin seulement de vous quereller face à face. Il se pourrait qu'un coup de fil appelle et qu'on vous accuse de quelque chose injustement. Vous dites, attendez, chargez-moi le crédit si vous voyez, je vais l'appeler pour lui dire ces quatre vérités. Vous voilà en pleine dispute au téléphone. La personne parle, vous élevez la voix et autres. Si ce n'est pas sur WhatsApp et autres, vous faites WhatsApp, ainsi de suite, vous appelez, vous grondez. Après, vous dites, Seigneur, pardonne-moi, le cœur gros comme ça, la haine sur le cœur. Vous voilà pris et entrelacé dans le filet de l'ennemi. Il dit, voici, vous gênez pour disputer et vous quereller. Pour frapper, entourer, frapper. Frapper méchamment du poing. Puis il dit, le Saint-Esprit dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc gardez-vous à l'esprit. Laissez à cette dingue fermer ton micro. Même si tu as vu ta vidéo, merci. Il dit, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Souvenez-vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il est dit de cet homme, quand à l'issue du fait que le Seigneur Jésus-Christ soit descendu de la montagne de transfiguration, avec ses trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, il a trouvé le reste des disciples sur la montagne, le neuf autres, en train de prier. Ils avaient déjà soufflé jusqu'à... Après avoir chassé cet enfant, les démons de cet enfant, les disciples lui ont posé la question, « Seigneur, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons ?» Il a dit, « À cause, ces gens des démons, si c'est la, ça ne sort que par les jeûnes et la prière. » Et les prières. Donc ne pensez pas que c'est le jour des jeûnes, qu'un homme démoniaque que vous allez aller chasser, que vous allez aller jeûner. Donc, ça a une habitude. Oui, nous voyons l'habitude du Seigneur Jésus. Nous allons voir dans un autre enseignement, dans ce cadre-là, la constante de Jésus dans la prière, sa méthode, la méthodologie spirituelle et son impact sur le plan spirituel, quoi, sur le plan physique de la part du Seigneur. Donc, nous voyons ici dans le verset 4 du chapitre 58 d'Ésaïe, la Bible nous déclare, voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Je prie que le Seigneur bénisse le frère Iba qui puisse publier cet enseignement le plus tôt possible, que ceux qui sont pas comme s'engagent dans le jeûne ces jours-ci puissent en prendre connaissance. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Donc, quand le jour du jeûne est désigné, il y a un style, une façon, une méthodologie, la façon de faire. Il dit pour que votre voix soit entendue en haut. Donc Dieu est en haut. Le jour des jeûnes, faites de la manière que Dieu veut, à la manière de Dieu. C'est le jour par excellence où les ténèbres sur nous, les puissances ténébreuses sont dégagées afin que les prières puissent passer et aller à la bonne source.
Mes frères, n'est-ce pas une bonne indication pour nous de jeûner de la bonne manière? Alors les disputes, les querelles, le manque de pardon, les injustices, les iniquités, nous devons examiner cela. Aller d'abord dans la repentance. Un vrai début de jeûne devrait commencer par la repentance. La repentance, les décisions prises doivent être draconiennes, drastiques, radicales vis-à-vis de notre changement de mentalité. Des nouvelles résolutions vis-à-vis de la sainteté. Oh Seigneur, j'ai marché dans l'iniquité. J'ai commis telle chose que je sais être une abomination devant de toi. Je te prie de me pardonner. Vous voyez cela? Je te prie de me pardonner. Je vais entrer dans ce jeûne, oh Dieu, avec ta grâce, par le Saint-Esprit que tu m'y conduis jusqu'à la fin, afin que je le fasse selon ta volonté et que cela te soit agréable. Père, je ne viens pas devant de toi comme le veulent les hommes, ni comme pour plaire à un homme. Mais je, oh Dieu de gloire, incline ton regard vers moi. Incline ton regard, oh Dieu de gloire, et soutiens mon cœur dans cette voie. Éloigne de moi et autour de moi des puissances de ténèbres qui pourraient nuire durant ce moment de jeûne, afin que je le fasse tel que tu le veux. Seigneur, je désire ardemment te plaire et tu connais mon cœur. Tu connais mes actions. Tu connais de loin, ô Dieu de gloire, mes pensées. Et tu sais, ô Dieu de gloire, combien j'ai marché éloigné de toi, par mes actions, par mes pensées, par mon langage et par mon comportement. Ô Dieu, par mon comportement, j'ai fait blasphémer ton nom au milieu des païens. Par mes choses que j'ai dites, que j'ai faites, ô Dieu de gloire, je n'ai pas été franc, je n'ai pas été dans la justice, dans la pratique de la justice et dans la voie de la vérité. Mais ô Dieu de gloire, auprès de toi, ô Dieu de gloire, la miséricorde. C'est pour cela, ô Dieu de miséricorde, je viens au devant de toi aujourd'hui pour demander d'incliner ton regard favorable à mon cri. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu éloignes toute iniquité de moi afin que je vive la vie de sainteté que tu as toujours prônée. Seigneur, je te soumets mes membres, comme tu le dis dans la Bible, qu'on offre nos cœurs, nos corps, nos membres à toi comme des sacrifices vivants. Je souhaite être un sacrifice vivant, ô Dieu de gloire, saint, agréable à tes yeux, ô Père de gloire, pour que je célèbre ce culte raisonnable, agréable que tu le veux. Seigneur, je ne vais pas te servir, ô Dieu de gloire, dans l'iniquité. C'est pour cela que toute iniquité qui est dans ma vie, Père, je l'ai même prié de la croix aujourd'hui, afin que toi-même, Père de gloire, tu puisses passer la peinture du sang qui a été versé à Golgotha sur cela. Seigneur Dieu de gloire, incline ton regard favorable pour moi et pour tous les frères dans le monde entier qui passent par ce moment. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? J'espère que vous allez le voir. Vous me suivez, n'est-ce pas, frère? Amen. Ô Père, viens à mon secours. Seigneur, tu as dit que lorsque le juste peut tomber, le juste peut tomber cette fois, mais tu vas toujours le relever. Dieu de gloire, Dieu de bonté, me voici encore au-devant de toi. À genoux devant de toi, Père, espérant en toi. Dans ce monde qui se meurt, à tout endroit, Père de gloire, c'est le feu de l'ennemi, de l'adversité. Père de gloire, des calomnies par là, le mensonge par là, de l'iniquité par là, la prostitution par là, le péché. Seigneur, la compromission de part et d'autre. Nous sommes de chaque jour, Père de gloire, considérés comme le balayeur de ce monde-ci. Et nous sommes censés, ô Dieu de gloire, malmenés par des situations de la vie qui nous poussent dans la compromission, afin que nous marchions dans les ténèbres. Des moqueries, Père de gloire, dans la famille, des moqueries de la part de nos amis, parce que nous n'avons pas atteint le standard de selon ce monde. Mais Seigneur, nous ne voulons pas plaire à ce monde, nous voulons te plaire. C'est pour cela, ô Dieu de gloire, que ce soir, je viens m'incliner devant de toi, afin qu'au Dieu de gloire, de faire tout simplement ce qui te plaît. Élève ton nom dans ma vie, Père, afin que je fasse ce que tu veux. Donne-moi de faire seulement ce qui te plaît, mon Dieu, mon roi, afin de te servir selon ta volonté. Donne-moi de faire ta volonté, ô Dieu. Donne-moi de faire ta volonté, ô Dieu. Donne-moi, ô Dieu de gloire, de faire uniquement ce qui te plaît, ô Dieu. Seigneur, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour mes péchés. Même s'il faille que je meure pour la voie de la vérité, je le ferai. Je prie au Père de gloire de ne pas te souvenir de mes iniquités, car c'est toi seul qui jettes le péché au fond de la mer. Jette, ô Dieu de gloire, au fond de la mer de l'oubli, Père de gloire, mes iniquités. Que mes transgressions ne soient point mentionnées devant toi. Père de gloire, tout enregistrement fait contre moi par le monde des ténèbres et tout ce qui a été demandé. Seigneur, tu nous as révélé dans les Saintes Écritures que Satan avait réclamé les disciples pour les cribler comme un froment. Je ne sais pas, ô Dieu de gloire, ce qui se passe, ce qui se trame dans le monde des ténèbres contre moi. Mais ô Dieu de gloire, c'est auprès de toi. Seigneur, la Bible nous apprend que même les démons ont prié et tu as exaucé à leurs prières. Job a été, ô Dieu de gloire, criblé par Lucifer alors qu'il ne savait pas ce qui lui arrivait, ô Dieu. Lui, il n'avait pas commis les iniquités. Mais moi, je reconnais avoir commis les iniquités devant de toi. Lui, il a dit clairement, et toi, tu as témoigné tes quatre choses merveilleuses comme pilier de fondation pour le monde juste, pour la vie de Job. Tu as témoigné qu'il était ainsi. Mais jusque-là, l'ennemi l'a criblé de ses prouesses, de ses vomissures de prostitution sur sa vie pour pouvoir le pervertir. Mais ô Dieu de gloire, me voici, Père de gloire, en plein dans le monde, en plein dans la mutation, de cette mutation, ô Dieu, qui marche dans la voie des dérèglements, des différents dérèglements qui nous imposent ce monde perverti. Mais tu veux, ô Dieu, que je marche avec ce flambeau à l'intérieur de moi, portant cette
trésor dans ces vases de terre, afin que la grande puissance soit attribuée à toi. Seigneur, nous voici donc. Je prie au Dieu de gloire que tu n'accèdes pas et n'acceptes pas les requêtes de prière adressées par l'ennemi à mon endroit. Quel que soit le nom, oh Dieu de gloire, et l'agenda, les dossiers de Satan sur moi dans le monde de ténèbres, Père de gloire, n'acceptent pas leur endroit, ne permet pas, oh Dieu de gloire, qu'ils aient dans leurs griffes. Si tel n'est pas le cas pour ta volonté parfaite, afin que ta gloire soit manifeste dans ma vie. Oh Dieu de gloire, quel que soit le plan de l'ennemi qui est programmé contre moi, je prie que tu les annules, que tu les dénonces ce soir et que tu déchires leur agenda. Toute cohorte de démons envoyée dans ma famille, envoyée contre moi, envoyée contre ma vie spirituelle, pour m'empêcher de lire la Bible, pour m'empêcher de te servir, m'empêcher, oh Dieu de gloire, de marcher comme tu veux. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu les disperses ce soir. Père de gloire, que l'adversaire, oh Dieu de gloire, soit confus à partir d'aujourd'hui. Que durant ces moments de jeûne, Père de gloire, que mes yeux soient focalisés sur toi, mon cœur soit focalisé sur toi, que tout mon cœur soit focalisé sur toi, et que tout esprit envoyé pour détourner mon attention de toi et de tes choses spirituelles, Père de gloire, soit anéanti et annihilé au nom de Jésus. Je soumets, oh Dieu de gloire, mes pensées entre tes mains, mon cœur entre tes mains, mon âme entre tes mains, mon esprit entre tes mains, mon corps, mon environnement spirituel, tout lieu et toute localité où je vais me trouver pour lire, pour travailler, pour prier sous ta main afin que toi-même qui y conduis. Père de gloire, c'est toi qui assignes les anges. Merci d'assigner les anges dans ce ministère, dans tes enfants, dans la vie de tes enfants, dans le monde entier, afin de marcher, oh Dieu de gloire, pour les protéger. Car tu as dit que tu les envoies et ils courent avec vitesse. Père de gloire, tu as dit tu construiras au milieu de nous, oh Dieu de gloire, un muret de feu et tu auras, Dieu de gloire, les regards fixés sur ce temple que tu as construit pour y habiter. Seigneur Dieu de gloire, nous voici au-devant de toi, prosternés ce soir, afin de te demander, Père de gloire, que ce moment, oh Dieu de gloire, merveilleux que tu prépares pour l'Église se manifeste. Seigneur, que les ténèbres se dissipent au-dessus de nous et que tout bloc qui était bloqué au-dessus de nous pour empêcher nos prières de l'accéder, que le tonnerre puisse frapper et saccager tous ces passages au nom de Jésus. Donne-nous, Dieu de gloire, d'avoir un tunnel en haut pour pouvoir enfin entendre nos voix. Que ton nom seul soit glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Vous voyez, frère, j'étais en train de vous montrer le canot, comment on fait, et puis là, je me suis plongé, je ne savais plus que j'étais avec vous, et puis nous voici dans la prière. Je crois que le Seigneur veut que nous prions, que nous allons dans ce sens-là. Mais la quintessence est là. La quintessence est là. Dieu veut que nous prions, que nous gênons, d'une certaine façon, souvenez-nous, afin que notre voix soit entendue en haut. Qui veut que sa voix soit entendue en haut durant ce moment de jeûne? Amen. Vous voulez également, n'est-ce pas? Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je prie pour tous tes enfants qui m'écoutent et qui a toujours écouté cette voix. Ô Père, je sais parmi eux qu'il y a des méchants qui sont venus s'infiltrer, qui écoutent et ô Père de gloire disent des choses grossières contre moi, des mensonges contre moi. Je prie que tu les pardonnes. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu révèles la vérité et continue à révéler la vérité à tes enfants. Bien plus au Dieu de gloire, je prie que tu les conduises dans la vérité, dans ta parole. Je prie, Dieu de gloire, pour chaque famille qui m'écoute maintenant. Je prie particulièrement, Père, que tu accomplisses tes miracles que tu as promis pour cette heure dans la vie de tes serviteurs, de tes enfants. Seigneur, tes enfants ont assez souffert. Ton peuple a assez souffert pendant des décennies de moquerie. Nous voulons crier comme Gédéon, au Dieu de gloire, que où sont ces miracles qui nous ont racontés dans les actes des apôtres? Ces gens qui imposaient les mouchoirs et les démons partaient, les morts étaient ressuscités. Nous voulons voir ces choses au milieu chrétien aujourd'hui. Père de gloire, tu as dit que tu vas restaurer ton nom. Merci, Père de gloire, pour cette promesse merveilleuse au milieu de l'Église. C'est toi, au Dieu de gloire, qui visite ton peuple. C'est ton esprit qui travaille au travers de nos pères. Car tu as dit sans toi, tu ne peux rien faire. L'assistant du Saint-Esprit, le scellement du Saint-Esprit promis pour cette époque, cette pluie de l'arrière-saison. Merci, Père de gloire, parce que tu l'octroies en ce moment-ci, Père. Seigneur, merci de laver nos iniquités, de laver nos souillures. Car sans ces iniquités, Père de gloire, ôte devant de toi, nous sommes tous coupables. Merci pour le merveilleux Seigneur, ce sacrifice absolu que tu as accompli à la croix pour nous. Sans cela, nous ne pourrons pas nous présenter ce soir. Sans cela, l'objet de cet enseignement ce soir sera vain. Mais au Père, tu as présenté le prix et tu as dit à la croix que tout était accompli. Parce que le sacrifice parfait a été offert. L'exigence parfaite a été donnée. Et merci maintenant, Père, de la grâce que ceci nous accorde, la source du salut qui a été présentée aux yeux du monde et manifestée, afin que nous puissions venir devant de toi pour être scellés. Seigneur, tes enfants crient et soupirent. D'autres même que nous ne connaissons pas, Père de gloire, prient et désire ta présence. Nous prions Dieu de gloire pour nos frères en Chine qui souffrent et qui passent par le feu de la persécution.
Nous prions pour ceux, ô Dieu de gloire, des Indes qui sont persécutés. Ces pasteurs, ô Dieu de gloire, qui sont brûlés vifs. Ces gens dans les familles musulmanes, dans les pays musulmans, qui souffrent à cause du fait qu'ils t'ont accepté de te servir comme le Fils du Dieu vivant, alors que le livre dit saint ne leur permet pas de le faire. Père de gloire, ils sont au four, dans la fournaise ardente de la persécution. Alors que nous autres, nous sommes dans des pays encore tolérants, mais nous nous amusons avec ta sainte parole. Seigneur, nous prions, ô Dieu de gloire, pour ces bien-aimés frères. Bien qu'ils n'aient pas ta connaissance que nous avons maintenant, Père, nous prions, ô Dieu de gloire, que tu illumines les yeux de leur cœur et que tu te révèles pleinement à eux. Pardonne à leurs persécuteurs, Père de gloire, parce que tu nous as dit clairement que le lion cherche qui dévorera. Que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Nous en sommes conscients parce que tu l'as dit, Père, et nous vivons cela comme les faits d'actualité aujourd'hui. Nous prions pour ceux qui sont en Égypte. Nous prions et nous entendons, ô Dieu de gloire, que des chrétiens coptes sont persécutés là-bas, tout simplement. Ô Dieu de gloire, malgré les différences, ô Dieu de gloire, tout cela souffre d'abord parce qu'ils ont une naissance en toi. Ton nom est invoqué sur eux. C'est à cause de ça qu'ils sont haïs. Nous prions, ô Dieu de gloire, pour ceux-là dans au Venezuela. Nous prions pour ceux du Pakistan. Nous prions pour ceux, ô Dieu de gloire, d'Israël. Nos frères bien-aimés qui souffrent de ce côté-là. Je prie particulièrement, Seigneur, pour ce soir, pour ceux de la Chine. Pour tous ces frères bien-aimés qui souffrent de la côté de la Chine. De l'Ouzbékistan, de Kazakhstan, de tous ces pays arabes. Père de gloire de la Jordanie. Seigneur, ceux de l'Arabie Saoudite. Pour tous ces frères de l'Arabie Saoudite. Principalement ceux qui sont dans la Kaaba que tu as assignée et que tu les prépares pour la révélation de ta puissance au milieu musulman. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu es loin de ton esprit en ce moment. Seigneur, tu m'as dit, ô Dieu de gloire, qu'au milieu de la Kaaba même, il y a des imams que tu as convertis et tu as donné l'ordre de rester là-bas pour le moment venu. Merci, Père de gloire, pour, ô Dieu de gloire, la puissance du Saint-Esprit que tu manifestes là-bas. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, parce que tu as dit que ce Kaaba-là sera détruite, effectivement, et les musulmans seront en désarroi. Merci, ô Dieu de gloire, parce que ta puissance fera détruit cet objet d'abomination qui t'a challengé pendant des siècles, même avant ta venue sur cette terre. Seigneur, tu es Dieu et il n'y en a point d'autre. Seigneur, manifeste ta puissance pour toutes ces sœurs qui se trouvent en Arabie Saoudite, qui se trouvent à Dubaï, qui se trouvent dans tous ces contrées du monde que nous ne connaissons pas. Seigneur, il y en a d'autres qui souffrent des douleurs de l'enfantement, Père de gloire, désirant ta présence. Je prie au Dieu de gloire que tu les visites et que tu accordes des grâces de délivrance pour tous ceux qui passent par des oppressions. Pour ceux au Dieu de gloire qui expérimentent des douleurs de l'enfantement, ceux qui veulent enfanter, Père, je prie que tu, dans ce moment, tu ouvres des écluses du ciel pour eux. Je prie au Dieu de gloire que tu sois favorable à leurs cris. Ô Dieu de gloire, pardonne nos iniquités et nous ne regarde pas selon, ô Dieu de gloire, nos marches mauvaises. Car si tu nous regardais dans cette autre optique, la paix, personne ne mériterait rien devant de toi. Mais c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, par le mérite qu'il a accompli à la croix, que nous jugeons, ô Dieu de gloire, de pouvoir venir au devant de toi en vertu de ce sang qui a été versé. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous venons au devant de toi, Seigneur, ce soir, pour intercéder pour les frères dans le monde entier. Je prie au Père pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour ces choses, ô Dieu de gloire, que tu révèles ces grandes choses grandioses qui se passera dans ces pays. Je prie particulièrement, ô Dieu de gloire, pour ces ministres que tu convertiras pour ta gloire. Je prie, ô Dieu de gloire, pour ces footballeurs qui changeront leur veste, Père de gloire, pour prêcher l'évangile. Je prie, ô Dieu de gloire, pour ces marabouts, pour ces charlatans, pour ces pasteurs qui vont se repentir publiquement et quitter la voie de l'iniquité. Je prie, ô Dieu de gloire, pour ces frères et ces sœurs qui soupirent après toi. Je prie, ô Dieu de gloire, pour l'esprit, ô Dieu de gloire, des grâces que tu déverses dans cette église, considérée comme pauvre, méprisée, abandonnée, mais qui se cherche dans la vérité. Je prie que tu les remplisses de ta puissance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour les frères du Cameroun, pour les frères du Congo, pour tous ces pays d'Afrique et pour tout le monde entier. Je prie pour ceux de la France, pour ceux d'Israël, je prie pour ceux d'Italie, pour ceux de l'Amérique, pour ceux du Canada. Ô Père de gloire, visite ceux du Canada. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu les visites, pour ceux qui crient après toi. Je prie pour tous ces frères dans le monde entier, pour ceux de Burkina Faso. Je prie, ô Dieu de gloire, pour ceux de Centrafrique, pour ceux de Tchad qui désirent et soupirent après toi. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, tu as dit que tu vas juger les dieux du Togo et du Bénin. Tu as dit que tu vas juger les dieux de l'Égypte. Je prie, Père de gloire, que tes frères qui ont été là, Père de gloire, depuis longtemps, qui soupirent après toi, que tu déverses ta grâce, la grâce de ta puissance, lui. Ô Seigneur, merci pour ce vent que tu souffles sur la terre. Merci pour ton ouragan maintenant, Père, qui vient sur la terre. Merci pour cet ouragan que tu amènes sur la terre pour balayer les iniquités de ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu restaures ton nom au milieu de ton peuple. Merci, Dieu de gloire, pour mes frères qui me suivent dans le monde entier maintenant. Merci, Père de gloire, pour tous ceux qui écoutent cette voix maintenant. Seigneur, donne-leur l'esprit de prière.
déterminés, Père de gloire, à te chercher et à te trouver. Je prie, Père, que tu les dénonces leurs œuvres afin qu'ils se repentent et que chacun de nous, Seigneur de gloire, soit soumis, oh Dieu, sous ta volonté parfaite et que prosternons au sol, Père, nous t'adorons en disant, oh Dieu, tu es le grand Dieu des cieux. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, tu te lèves pour juger les dieux égyptiens. Seigneur, tu vas les frapper et il y aura l'étourdissement chez les dieux égyptiens. Seigneur, ces dieux égyptiens qui ont pollué le monde, de l'Amérique jusqu'en France. Et cette divinité se lève maintenant pour challenger encore ton nom. Merci Seigneur pour ton ouragan. Parce que tu souffles, oh Dieu de gloire, depuis le haut du ciel. Et le souffle de ton narine, tu as dit, tu as effrayé jadis le Léviathan, que tu vas te lever encore comme ce jour. Et tu frapperas avec ton grand épée la tête du serpent Léviathan. Le serpent, le dragon volant, le fuyard. Merci Père de gloire, parce que tu manifestes ta puissance au milieu de ton peuple. Seigneur, le peuple qui invoque ton nom, le peuple sur qui est ton nom invoqué, sera revivé par la puissance de ton esprit. Merci pour ce moment merveilleux que tu prêches devant de l'église. Merci Père de gloire pour ces hommes et ces femmes que tu utilises dans la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, l'heure, tu as dit que l'heure est arrivée où on cessera bien d'être chrétien. Merci Père de gloire pour ce moment merveilleux que tu places devant de nous. Donne-nous, ô Dieu de gloire, de saisir ceci. Père, je prie pour quiconque écoute cette voix. Père, qu'il arrange ses voix dans la sainteté. Ô Dieu de gloire, je prie pour ceux qui ont dans leur maison des abominations et de l'iniquité. Qu'ils cessent avec cela aujourd'hui. Je prie, ô Dieu de gloire, que tu installes toi-même ta crainte dans le cœur de chacun de nous. De chaque personne sans exception qui écoute cette voix. Je prie, Père, que tu installes ta sainteté, ta crainte. Pour ceux qui avaient des genoux qui fléchissaient dans le monde. Ô Père de gloire, par la puissance des raisonnements. Par cette puissance de raisonnement que Satan a lancé sur eux comme le filet, je prie, Père, que tu brises ton emprise sur ces vies au nom de Jésus. Je prie au Dieu de gloire que tu ramènes le cœur à toi, ce cœur dans la sainteté. Je prie au Dieu de gloire que tu nous ramènes à toi. Je prie au Père pour tous ceux qui entreprendront, oh Dieu, les jeunes durant ce moment de cette année 2019 et plus, parce que c'est le moment où tu vas commencer à visiter les peuples, les cœurs et l'église. Je prie que tu les visites, que tu nous visites. Seigneur, le moment des témoignages arrive pour l'église. Le moment de ta grandeur, le moment où le corps sera répandu. Seigneur, c'est le moment où tu répands sur la terre, au Dieu de gloire, tes grâces pour faire la récolte, la grande moisson, la dernière moisson de la terre afin que tu fasses ton entrée. Seigneur, merci. Une église sans tache ni ride, dis-tu dans la Sainte Écriture. Merci pour cette église glorieuse, pour cette église sans tache ni ride ni rien de semblable que tu amasses en cette fin de saison, Père de gloire, pour rejoindre des autres saints qui sont couchés au courant des siècles afin de chanter cette cantique merveilleuse, ce cantique, ce nom nouveau que tu nous donnes pour la fin des temps. Merci, Père de gloire, pour ta visitation. Merci, Dieu de gloire. Et que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il ne peut plus continuer. Il ne peut plus continuer son esprit. Sur moi, je dois seulement rentrer en prière. Je dois seulement rentrer en prière. Restez en prière, mes chers amis. Rentrez en prière. On ferme maintenant. Rentrez en prière. Que Dieu vous bénisse. Quand tu vas dans la sainteté, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, mon bonne frère. Soirée. Rentrez dans la prière. Amen. Rentrez dans la prière. Amen. 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 Sois béni, mon frère. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la prière. Allez dans la prière, d'accord? Amen. Amen, mon frère. Amen.